détective Morgan Van Brilan, qui revient entre les morts pour tenter, pour essayer un jeu fait par l'un de l'autre, mais c'est par Zikino, pour la Game Jam Ludundare. Le thème, apparemment, c'est toutes les 10 secondes. Il s'agit donc de Snowy Drive. Le voyage en voiture dans la neige. Plus sûr, oui. Pour commencer, ok. Ok. Oula. Oula. Zikino, il faut clear l'écran des fois. Je vais faire ta force avec... Ok, oh. J'imagine qu'il faut que j'esquive les... C'est normal que ça ressemble à ça. Ça ressemble à un bug. Parce que j'ai regardé vite fait son code. Ouais, c'est ça. J'ai regardé vite fait son code, il y en a pour genre 240 lignes. Et je crois que Zikino a pensé à afficher des trucs... Après, c'est peut-être volontaire. Pour avoir fait, déjà, moi-même par le passé, des jeux, je sais que ça peut être le piège, ça, parce que normalement, le cycle d'affichage à l'écran, c'est... D'abord, on nettoie l'écran, et ensuite, on affiche plein de trucs. Sauf que, si on oublie de nettoyer l'écran avant, bah, ça ressemble à ça. Avec tout qui laisse des traînées derrière. En même temps, il y a cette espèce de passage d'essuie-glace qui nettoie. Il y a... Bon. Blé ! Voilà, je me suis pris un caillou dans la gueule. Et voilà, c'est le jeu. Bah ! Eh, il y a des options. Écran, contrôle. P2, on peut avoir un deuxième joueur. Un joystick détecté. Oui, effectivement, j'ai ma manette qui est connectée. Je peux jouer à la manette. Oh. Il me montre ce sur quoi que j'appuie. Je ne sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que c'est ça, c'est ma manette. Ça, c'est les boutons de ma manette. Tab, Q, U. U, ça marche pas. S, F, E, D. C'est quoi ces contrôles? SFED, ah, c'est ZQSD mais décalé sur la droite. Pourquoi? Ça marche. Ouais, si je suis fait à la manette, ça marche. Par contre, je crois qu'il n'a pas implémenté le multijoueur. Il n'y a pas de... Là, je suis en train de jouer à la manette, ça marche très bien. Ah, même au joystick, hein. Au joystick, à la croix directionnelle. Ça marche parfaitement bien. Ah là, je me sens comme un gamer. Aïe. Ah, je me sens comme un gamer là. Là, je maîtrise mon bolide au joystick. Je fais des dérapages. Attention un arbre. Miaou, miaou. Ah, ça c'est un jeu à haute adrénaline. C'est pas pour les gens qui ont pas de réflexe, hein, ça clairement. Un jeu à haute tension. Avec un sound design de petits oignons. Bon, je moque. N'oubliez pas que c'était un jeu de game jam. Hein. Il y a eu genre 24 heures ou 48 heures pour faire ça. C'est pas facile. Mais ça fait des petits bruits chaque fois que je fais un dérapage. C'est incroyable. Jeu de l'année. Ah, puis non, c'est pas un oubli. Hein, si je passe par-dessus les flocons, je les efface pas.
Donc c'est pas un oubli de nettoyage d'écran ou quoi que ce soit, c'est volontaire ce. C'est traîné, laissé par les. Par la voiture et par les arbres. C'est en fait juste, c'est vraiment les arbres et les cailloux qui frottent contre le sol et me foncent dessus et laissent des traces dans la neige sur leur passage. Moi je ne déplace vraiment que de droite à gauche. Je ne fais que éviter cette pluie. Cette invasion de cailloux et de végétaux. Oh là là, je suis en train d'exploser mon record. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis doué, putain? Aïe. Et les boutons A et B font la même chose, d'accord. Bah c'est... Reset carte. Ça reset carte. Ah! Mon meilleur score! Il est effacé! Non! Reset carte, ça veut dire quoi? Bon! Et ben, c'était Snowy Drive. Par Zikino. N'hésitez pas à l'essayer par vous-même, évidemment, un jeu de l'année. Je vous dis au revoir à tous et à la prochaine!